Gera, mon dernier revenu. Yeah.
chevalerie. Il a perdu beaucoup de sang. Guillaume, il s'est presque vidé. Plaies multiples. Il a dû livrer un rude combat avant de mourir. Il doit être à la banque. Ils sont retranchés à l'intérieur. Je ne dois pas les laisser repartir. Donnez-moi. Mais vous allez devoir faire quatre. Gueuse a oxy la moitié de mon unité. Je vois que le fils de Gueuse a bien failli vous oxyre aussi. Repliez-vous avec vos hommes. Tout de suite. Mon devoir est ici. Menez vos hommes au casse-pipe Neurimaria. Damien, vous vous souvenez de notre conversation au palais? J'insiste, vos hommes n'ont pas l'ombre d'une chance. Soldats, occupez-vous des blessés. Nous allons décrocher. Sage décision. Maintenant, écoutez-moi bien. Contre les vampires, il faut utiliser de l'argent. Ordonnez à vos alchimistes de produire un maximum d'huile contre les vampires. Des litres. Ensuite, enduisez-en vos lames. Et méfiez-vous des alpires et des brousses. Elles peuvent ressembler à des femmes. Elles disparaissent en un clin d'œil. Des bombes contenant des éclats d'argent seraient une bonne idée. Merci, sorceleur. J'espère que vous valez l'or que la duchesse a misé sur vous. Et que vous reviendrez avec la tête de ce maudit au bout d'une pique. Je prends les choses en main. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Comment ? Tout ce que je peux vous dire... C'est qu'il faut que je voie Sienna. Vous connaissez la décision de la duchesse. Sienna attend son procès, derrière les barreaux. Nous le savons, et nous le désapprouvons. Vous avez ce luxe, moi pas. J'ai prêté serment à son Altesse. Des gens meurent, d'autres mourront, par la faute d'une seule. Si son Altesse apprend que je vous ai aidé, ma tête va rouler. Juste avant les nôtres. Nous sommes pourtant prêts à courir le risque. Nous perdons notre temps, j'en ai peur. Venez, Geralt. Un instant. La dernière fois que j'ai vu Sienna, son Altesse la faisait conduire à la salle de jeu du palais. La salle de jeu? Pour enfants? Vous êtes sûr? J'ai servi des années au palais ducal. J'en connais les moindres recoins. Alors oui, j'en suis sûr. La salle de jeu. La duchesse a bouclé Sienna dans une maison de poupées. Franchement, je n'en ai aucune idée. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je sais. Ce que vous en faites n'est plus de mon ressort. Entendu. Je vais enquêter. Vous, retournez à la caserne. La voie est libre par où je suis venu. Un grand merci à vous. Vous nous aidez beaucoup. Je n'ai fait qu'aider Beauclerc. Enfin, je l'espère. Allons-y, Régis. Thank you.
Attention! C'est fermé. Bien sûr. Régis, je préférerais éviter de lutter contre cette porte. Pourriez-vous... Merci. À votre service. De la vaisselle miniature et des peluches. Adorable. Un canard en bois. Ses ailes sont brisées. C'est joli, cette terre. Un cheval à bascule. Très usé. Il a dû beaucoup servir. Tiens donc, un journal. Appartient à Isabelle de Roquefort, gouvernante de la cour. Ce sont les notes de la gouvernante de Siana et d'Anna Henrietta quand elles étaient petites. Probablement inutile, mais rien n'interdit d'y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, Siana m'a donné un dessin. Oh, charmant. De corps décapités et couverts de sang. Voilà qu'il est moins. Je lui ai demandé pourquoi elle avait dessiné une telle horreur. Son Altesse a affirmé qu'elle avait cherché à dépeindre les cauchemars qui l'accablent depuis toujours. Siana s'éveille en hurlant chaque nuit, ou presque, sauf quand elle dort avec Anna Henrietta. La malédiction du soleil noir. Les filles qui en souffrent font de mauvais rêves. Si terrifiant que certaines perdent de la raison. Les petites se sont querellées aujourd'hui. Il est triste de noter qu'elles ne se sont pas comportées en futures altesses. L'incident a viré au pugilat. Anna Henrietta fut la première à frapper sa sœur. Siana a répliqué de toutes ses forces. Le temps que je les sépare, Anna Henrietta avait perdu 2 dents. Elle a couru se plaindre à ses parents. Son Altesse, le Duc, a réfuté ma version des faits. Il a donné tous les torts à Siana et fait vœu de la châtier durement. Anna Henrietta s'est efforcée d'adoucir la sentence de sa sœur, mais le duc et la duchesse se sont montrés inflexibles. Quand on est étiqueté mouton noir, c'est fou ce qu'on a le dos large. Aujourd'hui, j'ai accompagné les petites pour la première fois à la contrée des mille fables. Nous y passâmes la journée. Nous avons d'abord joué avec Petite Poussette, puis avec Barberousse, tout à fait charmant pour un pirate. Je commence à soupçonner Isabelle de Roquefort d'avoir écrit cela sous l'emprise de psychotropes. Cannabis rue de Laris, par exemple, ou... Laissez-moi poursuivre. Je tire mon chapeau à Maître Artorius Vigo. Il a démontré qu'il était insurpassable en arts occultes. Une seconde. Artorius était mage à la cour et spécialiste en illusions. Ce qui veut dire... Régis, merci de ne plus m'interrompre, ou je vous fais asseoir au coin. Bien. Les petites m'ont dit que si je souhaitais m'y rendre seul, il suffisait d'ouvrir la contrée des mille fables et d'énoncer Expecto Ludum à voix haute. Un livre déclencheur d'illusions. Mazette, ça devient chaque seconde plus intéressant. Les mages dépêchés par le conclave sont arrivés. Ils viennent examiner Siana. J'ignore quelles sont leurs conclusions, mais son Altesse est aux 400 coups. La malédiction du soleil noir. Rien d'étonnant à ce qu'on ait aisément reconnu les symptômes. À moins qu'on l'ait accablée à tort. Voilà la suite. J'ai osé demander au duc ce qu'elle allait devenir. Et il ne m'a point répondu. Aujourd'hui, le son de Nilfgaardien. Siana s'applique, mais elle a beaucoup de mal à mémoriser le vocabulaire. Anna Henrietta paraît plus à l'aise dans ce registre, mais aussi plus prompte aux espiègleries. Quand elle m'a cru trop loin pour entendre, elle m'a traité de blood-cusseux. Elles ont ri si fort qu'elles ont manqué de s'étouffer. Blood signifie maudit ou fiefé. Et cusseux ?
Dans la langue mélodieuse de nos belliqueux voisins du sud, le terme décrit la fleur à nombreux pétales qui s'épanouit en un lieu au nom moins mélodieux, l'entrecuisse. Ça semble hautement improbable, mais est-ce qu'Anna Henrietta pourrait avoir projeté Sianna dans cette illusion? C'est possible. Elise serait à l'abri et isolée. Il faut vérifier. Où est ce journal? Un soldat de plomb. Elles sont brisées. Il n'y a rien sous le tapis. Qu'espériez-vous, hormis la poussière accumulée par quelques servantes paresseuses? Verrouillé. Celui-ci? Voyons. Expecto Ludum. Régis? Régis! La contrée des mille fables. Incroyable. Voyons où me conduit cette route.